Qu'est-ce qui se passe? C'est M. Jonathan Nadeau. Oui, c'est moi-même. C'est Alice Maurice du gouvernement du Canada, division de la salubrité des autoroutes nationales et médiatrice de la P-Patrol. Je siège en ce moment avec le comité consultatif et vous êtes notre prochain dossier au rôle. Alors, je vais vous placer en attente et vous serez avec le tribunal dans quelques minutes. OK. La P-Patrol, la police de l'urine. Notre mission, rendre les bordures d'autoroute sans coulisses. Assez, c'est assez. Soulagez-vous avant de partir. Soulagez-vous en arrivant. Soulagez-vous en voiture. Mais de grâce, cessez de vous soulager sur les voies publiques. On n'est plus capable. On en pipi. Oui, la P-Patrol, pour un monde sans pisse. Alors, M. Nadeau, vous êtes officiellement sous serment. Nous sommes en compagnie de l'agent Devessy. Ah, Pierre Devessy, présent. Oui, mais ma femme, elle m'a dit que vous avez essayé de me rejoindre, là. Quoi qu'il se passe? Attendez, pas long, monsieur, vous aurez votre droit de parole. On est en procédure. Alors, oui. Monsieur, vous êtes représenté par Maître Lurette. Oui, bonjour, Maître Claude Lurette. J'ai été mandaté pour vous défendre, M. Nadeau. Alors, M. Nadeau, nous avons plusieurs preuves qui vous placent à répétition en train de vous soulager sur le bord de la voie publique. Vous avez été capté sur caméra et vous vous exposez à des amendes salées. Je vous informe également que votre permis de conduire est révoqué le temps des procédures et votre véhicule fait l'objet d'une saisie. Alors... Attends, parce que quoi? Parce que j'ai pissé dehors? Et je vais vous expliquer. Agent de Vessie, veuillez exposer le dossier au contrevenant. Absolument, madame la médiatrice. Oui, ça fait 20 ans que je travaille pour la P-Patrol, une escouade évidemment anglophone, d'où le nom. Au début, je parlais pas anglais. Je me rappelle quand le commandant m'avait demandé « Est-ce que c'était certain de vouloir consacrer ta carrière à punir ceux qui se soulagent sur le bord de la route? » Je dis « Absolument, c'est ma passion. » Il m'a répondu « Urine ». Fait que pour ce qui est du contrevenant Nadeau, c'est le 21 juillet que nos caméras radars ont capté des images d'individus en train d'uriner, et cela à répétition, Madame Maurice, sur les routes de notre belle province. On l'a vu, écoutez bien ça, à 3 reprises sur la secouée, soit une fois de Drummondville, monsieur, une fois de Drummondville. Avez-vous des caméras partout? Absolument, monsieur. C'est, en regardant là, quand vous conduisez, vous allez voir qu'on est partout. Non. Big Brother est partout, monsieur. Une fois, on l'a vu uriner à Drummondville. Monsieur, laissez-moi terminer. Une fois, Saint-Hyacinthe. Et puis une autre fois Saint-Jérôme. On a clairement affaire ici à un pisseur en série. Bon. Alors, voici donc le dossier. Monsieur Nadeau, vous avez un avocat qui est ici, Maître Lurette. Je vais vous demander tout de suite. Attendez deux secondes, là. Je vais vous mettre en caucus à l'écart des procédures avec votre avocat et vous pourrez conférer avec lui. D'accord? Alors, tout de suite, on va sortir de là. Mon avocat, ça fait du Bon, M. Nadeau, il y a juste nous qui nous entend, c'est Maître Lurette ici. Oui, je suis pas sûr de ça, en tout cas. Non, ils nous entendent plus, là. C'est, mais c'est confidentiel, monsieur, là. Ils me voient pisser partout au collier, c'est parce qu'ils m'entendent pas, là. Ben non, c'est la loi, monsieur, c'est la confidentialité. Êtes-vous coupable de ces accusations-là? Parce que moi, je vous avoue, là, je viens d'avoir le dossier, là, fait que vous comprendrez que c'est un premier jet, là. J'ai pissé, c'est sûr, j'ai un chien ici qui a 2 ans, puis je vais après pisser dehors, puis je m'en vais dehors avec lui, puis je pogne mon chien, puis je regarde, puis je montre comment pisser, sauf que lui, il peut pas se la secouer, là, mais en tout cas, il pisse pareil. OK, donc vous allez sortir à l'extérieur pour... Là, écoutez, ça serait bon de trouver une excuse, inventer une condition médicale, je sais pas, là, tu sais... Écoute, si je vois pas assez d'eau, calvaire, là, je constipe. Ça, c'est ça? J'ai pas compris. Si je vois pas assez d'eau, je vais constiper. Ça, c'est bon. Dites-le, vous avez un gros problème de constipation, vous allez le dire à la cour. Donc, gros problème de constipation. Là, je vous donne juste des pistes, là. Ça, c'est vraiment juste... Je bois beaucoup d'eau, aussi, puis vous constipez solide. Faut OK, donc là, on va revenir, tout le monde va nous entendre, là. Juste exprimer vos gros problèmes de constipation. Oui. OK. Parce que là, il y a des grosses amendes, là, c'est des milliers de dollars, monsieur. Voyons, des milliers de dollars. C'est des milliers de dollars, votre permis de conduire. Arrêtez ça, là. Alors là, mettez-en... Vous allez m'aider à l'aide, vous, là? Oui, je suis votre avocat, mais mettez-en beurre épais à constipation, là. OK, on va revenir. OK. Bon, alors, nous sommes de retour avec le prévenu Nadeau. Alors, qu'avez-vous à dire au comité pour votre défense? Ben, écoute, c'est sûr que j'ai un problème de constipation, donc je bois beaucoup. Je bois beaucoup d'eau. J'ai un chien de 22 livres de 2 ans. Faut qu'il pisse aussi. Je suis en train de lui montrer à pisser. Mais j'ai des gros problèmes de constipation. Écoute, si je bois pas beaucoup d'eau, c'est ça. Je reste à la boîte pendant 3 jours.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, il faut. Je bois puis je me soulage. Si, écoute, c'est... Objection! Objection, bon, madame bon, la médiatrice. Bon. Hey, faudrait pas oublier que l'urine attire l'urine. De pisse sauge de pisse. Chasser. Ah, les chasseurs s'enduisent d'urine. Pourquoi? Pour attirer chevreuil. Ben, c'est la même chose qui se passe sur le bord des autoroutes. Non, monsieur. Moi, je paye pas une corde. Monsieur, écoutez-moi bien, monsieur. Il a mouillé toute l'été, tabarnak. Monsieur. Monsieur, l'urine attire les chevreuils qui sont excités, qui se font frapper. Monsieur Nadeau, écoutez-moi, monsieur Nadeau, à la mort de dizaines de chevreuils sur la conscience, et pour cette raison, je demande l'amende maximale de 10 000 $. Alors, contrevenant Nadeau, on a l'agent de Vessie. Non, je ne paye pas. C'est parce que là, voulez-vous contrôler votre client, s'il vous plaît? Oui, là, calmez-vous, là. Je sais que vous êtes possiblement constipé même en ce moment d'apprendre tout ça, là. Je pense que je vais chier dans mes culottes, là. Je pense que vous allez réussir à me faire chier, là. Écoutez, prévenu Nadeau, avez-vous un papier médical qui prouve cette condition? Il vient de dire qu'on avait réussi à le faire chier, là. Écoute, je peux te montrer toutes les factures de l'Axadé que j'ai acheté, tu sais. Faut que j'en prends en tabarnak des suppositoires, des ordonnances. Pas drôle de vivre avec ça, le calice, non? Ça c'est, non? Hein? Ça c'est. Jonathan? Ouais. Là, c'est tout le monde. T'es en onde à énergie, c'est un coup au téléphone. Dans sa rentre au poste, tu parlais avec Mario Tessier, Marie-Claude Savard. C'est Seb Trudel. Que t'as expliqué ton problème de constipation au Québec en radio. C'est quoi? C'est Julie que vous appelez? Là? C'est la blonde Julie Morin en personne. Alors, c'est tout de sa faute. Tabarnak, elle vous a pas dit que j'avais pissé dans le foyer, hein? Non! On était pas au courant de celle-là. Non, mais. On va voir un bout, super. Non, mais attends une minute, Jonathan, j'ai quand même des questions, là. Oui. Pour vrai, est-ce que c'est parce que tu montres à ton chien comment faire pipi? Pour vrai, là, pourquoi tu sors de l'auto pour pisser sur l'autoroute tout le temps? Ben oui, mais je comprends. Il y a des haltes routières pour ça. Pourquoi tu pisses à la voie publique? Ben pour le chien, j'imagine. Non, parce que j'ai envie de pisser, là, c'est là que ça arrive, puis il faut lui. Ouais, mais Jonathan, on s'entend qu'entre Drummondville et Saint-Hyacinthe, il y a genre 25 minutes de char, une demi-heure. Ouais, c'est parce que si tu me verrais avec mon chien, puis si tout le monde me regarderait, ça n'aurait pas de bon sens. Mais c'est vrai. C'est vrai, le chien. Sur les réseaux sociaux, puis ça me tente pas. OK, mais attends une minute, là. C'est vrai l'histoire du chien qu'il faut qu'il fasse pipi tout le temps? Il pisse, puis je montre comment pisser. Mais oui, là. Non, qui ramasse pas la mort de le chien. Moi, je sais pas comment ça marche. OK, c'est parfait, ça. Je comprends pas. OK. Mais c'était ta blonde qui voulait te faire un petit coup pour te dompter d'arrêter de faire ça sur le bord de la route, je pense. Écoute, je pense que je vais prendre... En tout cas, on va prendre des actions. OK.